Good evening, 47. The target is Jimmy Chen, a cynical tabloid journalist who will literally kill for a good story. A failed actor who became an internet sensation. The target has made a name for himself in online journalism by creating fake stories and sensational headlines. When taking on a pharmaceutical conglomerate, Chen obtained evidence that the company was withholding damaging data on an antidepressant. Instead of going public, Chen sat on the material for a year until a sudden wave of suicides gave him the sales hook he needed. Our client's sister jumped in front of a train, and they hold Chen accountable. We have intercepted information suggesting Jimmy Chen is currently researching a secret society for a US tabloid magazine. Good luck, 47. Welcome to the Isle of Scale, 47. The target has been spotted near the Keep Gallery, dressed as a waiter. Look for anyone who's acting out of character, and remember to collect Chen's voice recorder. Et salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Hitman 3, donc cible fugitive, donc réactivée j'ai envie de dire, vu qu'elle date de 2019, c'était la toute dernière de Hitman 2. Le clandestin, Jimmy Chen, donc sur l'île de Scale, pas de contrainte d'assassinat ni de déguisement. Donc là, on s'infiltre tout doucement afin de neutraliser le système des caméras. Ensuite, on va prendre un déguisement des gardes. Vous savez, ceux qui ont un béret noir et une tenue bleue. Et ensuite, on va s'infiltrer pour aller jusque vers notre cible, quoi, tout simplement. On va, je vais vous faire écouter aussi quelques petites répliques de notre cible afin de vous montrer à quel point il a aucun charisme. Alors il est marrant parce qu'il est ridicule quoi, mais bon, voilà. Quand on fait la cible, on a hâte d'en finir. Je trouve qu'à l'époque, pour ces dernières cibles, ils avaient aucune originalité et je trouve ça vraiment dommage. Le truc, par contre, qui est intéressant dans son intrigue, par contre, et ça c'est intéressant, c'est que il faut le démasquer. Hein. De toute façon, je vous avais déjà fait la vidéo à l'époque. Il faut le démasquer parce qu'il prend une photo donc d'un objet et donc ensuite on va lui parler histoire de débloquer l'intrigue et voilà. Et j'en dis pas plus. Donc, c'est quand même une cible intéressante sur son approche, sur la façon dont est menée l'intrigue afin de l'éliminer. Mais par contre, personnage en lui-même, il ressemble à rien, quoi. Il ressemble à rien, c'est vraiment dommage. Bon, là, ici, je vous conseille de jeter une pièce si vous voulez passer plus rapidement. Les gardes se retournent et ça vous permet de passer, vu qu'il y en a un d'entre eux qui peut vous repérer. Donc, ensuite, on passe ici. On est à proximité, justement, de là où se trouve Jimmy Chen. Donc, j'ai coupé certains passages un petit peu longuets. Donc, il suffit, en fait, d'observer un petit peu où est-ce qu'il va. D'écouter ce qu'il dit, comme là par exemple, grosso modo il nous dit de ne pas prêter attention à ce qu'il fait, voilà, donc le gars il est à peine suspect quoi, mais il se justifie sans arrêt, donc ce qui peut être assez drôle d'une certaine façon. Donc là il fait genre donc d'être le gars qui retourne à son boulot, il balaye, il nettoie par terre, etc. avec la serpillière. Après, il finit par arrêter pour faire autre chose. Donc après, il faut le démasquer, en fait. Hein, à attendre à un moment donné qu'il se retrouve devant l'une des œuvres d'art parce qu'il veut la photographier. Alors faites attention dans cette pièce. Il y a un garde, vous venez de le voir d'ailleurs, qui a un point blanc. Donc il peut vous démasquer. Il a le même grade que vous. Faites bien attention. Après, à une certaine distance, ça va, il vous verra pas, mais... Mais bon, voilà. Donc là, attention.
little bit of Photoshop and hello, front page. That server looks oddly out of place. He could be Jimmy Chen. If the location is not favorable, find a way to make the target move to another location. Voilà, donc là on va aller lui parler. Care to explain yourself? Whoa, chill down. No need to freak out about a quick snap. I mean, these pics are like for my personal files. Let's just forget about the whole thing, okay? Phew, I think I might take a small breather. You know, been standing up all day. Yeah, you know, you gotta look after your feet in this business. When you're a waiter, I mean. Nothing mysterious about that. Target is on the move. Follow him, 47. Voilà. Donc, vous avez remarqué qu'une fois démasqué, il faut aller lui parler et donc ensuite le suivre, tout en étant quand même, j'ai envie de dire, tout en gardant vos distances. Parce qu'après, il veut, voilà, si vous êtes trop près, il ne veut plus avancer. Donc là, il va rentrer dans la salle d'eau, donc dans le, la salle de bain, salle d'eau qui fait office de toilette. Il se déguise. Voilà. Donc j'ai coupé au montage, donc il s'est déguisé, et donc il va aller donc jusqu'au-dessus, enfin non pas au dernier étage, mais il va aller donc au, c'est quoi, c'est le deuxième étage, je sais plus exactement. Il va même à un moment donné raconter pas mal de petites bêtises à des femmes là, qui boivent un verre, je vous laisserai écouter, c'est nul, ça prouve que le gars il a aucun charisme et puis c'est pas intéressant ce qu'il dit, mais bon, pour une fois qu'il y a, voilà, pour une fois qu'il y a des, il y a des dialogues, je vais vous les laisser. Donc là, vous voyez les gardes qui sont devant l'escalier, donc pour voilà, pour faire ça facilement, je vous conseille quand même de trouver un déguisement. Donc voilà, si vous cherchez bien, vous trouverez vraiment le bon garde pour le neutraliser tranquillement, sans vous faire repérer, et une fois que vous avez ce déguisement là, vous pourrez retourner là-bas, monter l'escalier, ils vont vous laisser passer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en gros dans cette vidéo, je vous montre bien sûr une méthode simple, plutôt facile, puis ça vous permet de voir en plus cette intrigue, parce que finalement, moi la première fois que je l'ai fait, je n'avais pas du tout vu se déguiser. Je pensais qu'il était très limité dans sa ronde, mais en fait pas du tout. Donc le fait de se déguiser et puis d'avoir des dialogues supplémentaires et d'aller dans d'autres pièces, j'ai trouvé ça sympa. Même si j'aime pas du tout la cible. Donc là, on monte escalier, on se dirige vraiment vers les pièces où il se trouve. Parce qu'après, de toute façon, une fois qu'il est là, il bouge plus. Enfin, il bouge plus, c'est-à-dire qu'il fait quand même une ou deux pièces, mais... D'ailleurs, je vais vous montrer, là, il y a encore une autre salle de bain. Et c'est ici qu'on va l'éliminer. Voilà. Allez, je vous laisse profiter de certains dialogues. A tout de suite. You come here often, or what? I work here, you idiot. Oh, I know. I know. I'm joking. But seriously, I've been working all night on that top secret brain emulation thing. All night. You know? I'm really exhausted. What do you mean? We finished the brain emulator months ago. Yeah, and what a project, right? I mean, the vision, the craftsmanship. It just needed a little bit of tweaking here and there. Listen, I'd love to talk, but I'm in the middle of something here. Look, it's just the higher-ups don't want any blueprints of the brain thing lying around. I'm just saying, they're really paranoid about it. In fact, I'm shredding all of my copies tonight, and I could grab yours too if you want. I'm gonna turn around and ignore you, you weirdo. Great. Yeah, let's just talk later then. Love the mask. Voilà, donc vous avez écouté, il n'y avait rien d'intéressant, j'ai envie de dire, mais
Mais bon, ça permettait un peu de voir un peu plus le personnage. Donc, dans un premier temps, je vais neutraliser donc la personne qui se trouve juste à côté. Hein, on n'a pas trop le choix. Et lui ensuite, bah écoutez, ça va être plutôt facile. Il n'y aura plus qu'à balancer une seconde pièce afin de l'attirer parce qu'il vient jusqu'ici, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça se fait simplement et on va l'éliminer à la corde à piano. Un défi assez simple. Donc Shinsip, c'est vrai qu'il est quand même relativement facile. Mais qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, si on compare rien que... Target eliminated. Well done, 47. Don't forget to pick up the voice record. Et voilà, cible éliminée. On n'a plus qu'à récupérer le dictaphone. Et le tour est joué. Ouais, donc comme je disais, si on compare à d'autres cibles où finalement, qui étaient quand même, qui avaient plus de charisme et puis qui donnaient envie de faire finalement la mission afin d'éliminer notre cible, lui, bon bah, j'ai envie de dire qu'on le fait vraiment pour se débarrasser. C'est dommage parce que Lidl's Gale, c'est un chouette environnement. C'est vraiment une destination qui était vraiment excellente. Et enfin, ils nous ont proposé le clandestin qui, je trouve, n'apporte pas grand chose, c'est un peu dommage. À part son intrigue qui est sympa, par contre. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera donc une solution supplémentaire pour appréhender la cible. Merci à tous de me suivre, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao.